Eh bien, salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de quelque chose qui est beaucoup connu, c'est les graines de tournesol. Donc voilà. C'est des graines de tournesol que j'ai acheté, enfin que Timo m'a acheté après l'école à une boulangerie qui, enfin c'est pas spécialement une boulangerie, c'est plutôt une boulangerie et un magasin de bonbons. Bon, il y a plus de bonbons que de boulangerie, enfin que de choses de boulangerie. Alors là, je vais vous lire. Alors, valeur énergique, 592 kg. Protéines, 19 grammes. Don sucré, 3 grammes. Lipides, dont acides, gras saturés, 50 grammes, sel, 8 grammes. Donc là, je vous ai lu ça. N'hésitez pas à faire pause. Enfin, je sais pas si vous arrivez à le voir. N'hésitez pas à faire pause pour voir. Donc ça là, à noter. Et puis là, les résultats. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, mais si vous mettez pause et que vous voyez quand même, bah, vous mettez ça et puis après vous voyez la valeur, l'énergie, tout ça. Donc voilà, on va parler de ce petit paquet que Timo m'a acheté après l'école à un magasin de bonbons à 20 centimes. Alors, j'ai pris un sopalin, donc je vais déposer toutes les graines sur le sopalin. Un peu de sel. Voilà. Alors c'est ça, c'est ça. Donc c'est ça des graines de tournesol. Donc c'est fin, mais voilà, comme ça c'est fin et comme ça c'est grand. Donc l'intérieur, je vais vous le casser. Je vais pas le mettre dans ma bouche parce que sinon après je vais devoir recracher et bon, c'est pas très bon. Alors là, j'y arrive pas. Donc on va prendre elle. Voilà. L'Europe. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur de la graine. Donc de la graine, à l'intérieur de ça, il y a ça. Et ça se mange. Délicieux. Voilà. Après, généralement, normalement, il y a énormément de sel. Bon, ouais, donc c'est trop bon. Donc voilà, donc c'est en gros tout ça. Donc voilà, donc là vous voyez, donc c'est tout ça. Là, vous voyez bien. Oh, ne regardez pas le t-shirt mignon avec ses petites têtes avec leurs langues, ça n'a aucun rapport. Après, on va parler aussi d'un bonbon que tout le monde connaît, pareil, enfin que tout le monde connaît. De 40 bars, mais là c'est n'importe quel goût, donc acide ou doux. Donc on va prendre un des trois. Je ne le sais pas, regardez, les paquets ne sont pas ouverts. Dans la description, ce sera marqué qu'il n'y a pas de trucage. Donc sur les trois, je vais prendre lui. Alors là, alors ici, ah bah super, c'est acide. Donc vous pouvez voir le sucre avec le trou. Donc le trou, ça veut dire que là-dedans il y a du sucre et c'est acide. Que quand c'est un 40 bar rose sans trou ou un 40 bar de toutes les couleurs mais sans trou, c'est que c'est pas oh, voilà. Donc, c'est trop bon. Voilà. Alors, donc
c'est trop bon. Donc les pots, je vais les jeter. Hop. Donc les graines, je vais un peu les enrouler parce que maintenant que c'est ouvert, voilà. Voilà. Donc je vais tout mettre à la poubelle. Donc voilà, j'ai goûté. J'ai goûté, bref. Ces petites choses sont délicieuses. C'est vraiment la plus bonne chose que j'ai jamais goûtée. Enfin, pas la plus bonne. Mais. Voilà, vache. Mais une des plus bonnes choses que j'ai goûtées. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, le camembert et donc les graines de tournesol. Donc voilà, donc franchement cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, mettre des likes et aussi partager la vidéo. Donc j'espère que vous allez être vraiment plus parce qu'en ce moment j'ai installé sur ma tablette et mon portable. Donc Instagram, Snapchat, Facebook. Et je vais bientôt installer Twitter. Alors, je vais dès que j'ai tout fini, je vous dirai les liens et vous pourrez aller voir mes vidéos dessus. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et bien sûr à vous abonner. C'est la fin de cette vidéo. Alors, je vous dis au revoir à tous. Allez, passez une bonne soirée.